مرحبا بكم في هذا الموعد اليومي الذي سنلتقي معه طيلة أيام فعاليات رالي المغرب المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي ما كانش يتنظم لولا المجهودات الحثيثة للحكومة المغربية وكل المتدخلين للحد من انتشار جائحة كورونا، وكذلك المجهودات اللي قاموا بهم المنظمين هنا على بعد 7 كيلومترات من مدينة زاكورة في جهة درعا تفيلات لتوفير كل ظروف ملائمة للمتسابقين وكذلك ضيوف هذا الحدث الكبير. غنبداو اليوم الحلقه ديالنا مع ضيف خاص جانا من فرنسا ولكن اصوله افريقيه، هو ايفواري فرنسي تزاد سنه 1980 بكوكودي، وهو اللي شهر ما بين قوسين تراب في فرنسا، كاريس. كاريس بيانفينو. Salut, comment tu vas, Samid? Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout se passe bien? Ouais, franchement. Alors, vous avez popularisé la trap en France. Vous êtes une star incontestée de cette scène de rap exceptionnelle dans le pays. Je sais qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la France et le Maroc côté rap et beaucoup de ressemblances entre le Maroc et la Côte d'Ivoire côté culture. Nous sommes. On est des cousins. Voilà, on est des cousins. Vous êtes nés à Cocody, on a le même âge d'ailleurs, on est nés tous les deux en 1980. Et ça me fait aussi plaisir de voir que le Maroc est en train de faire un projet gigantesque au niveau de la baie de Cocody. Vous avez toujours été au Maroc, vous êtes fan de ce pays. Vous avez même passé. Je suis venu beaucoup de fois, j'ai passé des vacances d'été à Moulay Bouslem. Moulay Bouslem, deux mois, Moulay Bouslem. J'ai même tourné un clip ici à l'époque de mon deuxième album, Le bruit de mon âme. Le morceau s'appelle d'abord, d'ailleurs, Le bruit de mon âme, c'est le morceau éponyme, et je l'ai tourné à Meknès. Meknès, super, la l'Asima al-Ismaïliya, et ça fait vraiment plaisir de vous recevoir encore une fois au Maroc. C'est en quelque sorte un retour vers les sources pour vous, l'Afrique. Chaque fois que je reviens au Maroc, Côte d'Ivoire, c'est vraiment des endroits que je connais très bien et j'aime beaucoup. Ouais. Alors, vous avez vécu une expérience exceptionnelle ici au Maroc, puisque vous avez essayé les SSD, les side-to-side vehicles. C'était apparemment exceptionnel. Oh ouais, c'était exceptionnel, en copilote. Ouais, c'était chaud. Ah, mais ça va, j'avais un bon pilote, l'un des meilleurs, donc ça va. Mais franchement, c'est physique, quoi. Il faut s'accrocher. Ouhna, باش نخليكم تعيشوا هذه الاجواء غنمشيو مباشره نشوفوا ريبورتاج حول البيفواك. طبعا هذا المخيم الكبير اللي كاين واللي ممتد على 35000 متر مربع، وغادي نتكلموا مع المكلف باللوجيستيك دافيد سيريك اللي عطينا بعض الشروحات، ومع رجوع عند كاريس. Ça peut sembler effectivement une mission quasi impossible. Mais si on y est arrivé, c'est avec le soutien des personnes déjà propriétaires ici, la Caravane du Sud, de notre prestataire Chalouka, et principalement l'énorme soutien qu'on a eu de la province de Zagora et de Monsieur le Gouverneur. On a commencé par faire une reconnaissance au mois de juillet lors d'une reconnaissance terrain. Le lieu nous semblait fantastique, sauf qu'après, le lieu, il fallait l'adapter à nos contraintes et à nos besoins. Et c'est là où après, si on n'avait pas eu le soutien de ces personnes-là, on n'y serait jamais arrivé. On a des surfaces du parc d'assistance de 3 hectares et demi. Le bivouac, autant de surface, 3 hectares et demi également, pour construire le bivouac avec les tentes pour que les concurrents, les médias et l'organisation puissent dormir. On a plus de 500 tentes qui sont montées pour l'organisation et pour que les gens puissent dormir sur le bivouac. Tout ça, ça a été un travail de plus d'un mois pour monter tout ce bivouac et que ce soit en accord avec nos cahiers des charges des fédérations et les besoins des concurrents. Caris, l'organisation d'événements comme ça, d'envergure mondiale, est une occasion pour vivre une sorte d'ouverture et aussi des rencontres. Vous avez rencontré Cyril Després, 5 fois champion du monde et 3e du Dakar 2017, qui va aussi prendre part au Dakar 2022. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de rencontres pareilles? Déjà, ce que j'ai appris là, déjà très belle rencontre, et c'est la passion, il a la passion du métier. C'est un grand passionné. Et la chose qui m'a appris, c'est que le truc le plus important, c'est le GPS. Mais en fait, le GPS, c'est le copilote. Ouais. Tu vois, il a dit, si tu es un super copilote, c'est le meilleur GPS du monde, tu vas y arriver. Maintenant, je voudrais juste avoir une idée sur cette association entre le sport et la musique. Nous savons que tous les deux sont des vecteurs économiques et sociaux. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir toujours des artistes associés au sport et aussi des sportifs associés à la musique? Bah oui, bien sûr. Après, c'est des mondes qui se rencontrent, c'est des disciplines différentes, mais c'est super important. De toute façon, généralement, les musiciens sont toujours fans des sportifs et les sportifs, ils sont toujours fans des musiciens. L'un trouve que l'autre est très dur et vice-versa en fait.
Mais il y a des difficultés dans les deux et les deux se marient très bien. Et d'ailleurs, les deux activités sont très difficiles. Et généralement, on donne l'exemple, on parle de sportifs et de stars de musique comme étant des personnes qui bataillent très très dur et qui n'attendent pas toujours les résultats sur place. C'est la passion. Hein. Parce que si on attend le résultat, des fois, il n'arrive jamais. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les musiciens et les sportifs sont animés par la passion, une passion qui a permis à David Castera de travailler de très très longues années sur ce rallye qui est très ancien d'ailleurs, il a commencé en 1982. David Castera, qui est le monde d'aime de ce rallye, où il y a un rallye Là, je ne comprends plus. Hein. Ah ouais, ça c'est un rallye. David Castera, qui a dit خلال هاد الاستجواب القصير على الجديد خلال هاد السنه خصوصا وانها كتعرف مشاركه متميزه للعديد من الرياضيين كل الارقام في ارتفاع نشوفوا دافيد كاسترا ورجع عند كاريس Première, c'était ça, c'était d'être dans le désert et d'organiser un vrai bivouac. Ça tombe bien, le Maroc, l'esprit nomade, les caravanes, etc. Je trouve que ça colle à l'image, donc c'était pas compliqué. Bon, logistiquement, c'est quand même un sacré défi. Hein. On est 800, plus de 800, 900 personnes à vivre ici pour 10 jours, donc c'est un défi énorme, mais les Marocains l'ont relevé, toutes les entreprises ici sont mobilisées, la province de Zagora a fait un travail incroyable pour nous aider, nous mettre à niveau le terrain, le mettre à disposition, et ça a été génial, et donc voilà, on a tous le pass sanitaire, tout le monde est vacciné, tout le monde a son PCR, on vit en bulle, on vit entre nous, on limite les mouvements à l'extérieur pour que justement ça soit préservé le plus possible. Et on va vivre 10 jours comme ça en autonomie pour assurer le plus de sécurité à nous-mêmes, mais aussi surtout à la population marocaine et pour ne pas transmettre de trop le Covid. Shukran li David Seriek la kolat shorohat. Karis, donc j'avais raconté des choses en arabe, c'était très simple. Hein. Non, mais juste le lancement de reportage, retour du reportage. Toi et moi, on va aller là-bas et on va discuter. Après, tu vas m'apprendre. Voilà. Alors maintenant, une dernière question, un mot de fin par rapport à cette belle expérience que vous avez eue au Maroc, génial. Mais aussi sur votre nouveauté. Je sais qu'il y a des fans qui attendent. Ouais, EP, non, album, single. Génial. Déjà, je suis content d'avoir fait ce truc-là. Franchement, c'est une belle expérience. Après, au niveau de, il y a un album qui va arriver en janvier. C'est donc parfait. Là, pour l'instant, tranquille, je prends le temps. Et il y a une série sur TF1 qui va sortir d'ici décembre, normalement. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une très, très bonne chance. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Franchement, je suis content. Merci à vous. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis, merci, Samy. Bienvenue au Maroc. Merci. Profitez bien. Merci. Mangez bien. Et à très très bientôt, j'espère qu'on va vous avoir pour un concert très bientôt inchallah ici au Maroc. شكرا لكم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه الاولى من يوميات رالي المغرب منظمه تحت رعايه ساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. غادي نلتقي بكم غدا ان شاء الله مع ضيف اخر وكذلك مستجدات متعلقه بالرالي. السلام عليكم.